Voici un lot de modèles de bateaux pirates du thème de One Piece que j'ai commandé. La collection complète des navires existantes pour la même collection. Donc, on peut voir ici avec la protection qui est ouverte, déjà une partie, et abîmée au niveau transport. Les dommages de transport qu'on a vu, malgré qu'il y a une protection extrême envoyée par le fournisseur, le magasin email que j'ai demandé de bien protéger. Ils l'ont bien fait. Je les remercie pour ça. Et voici une partie, dont trois pièces qui sont déjà. Donc, malgré la protection, il est endommagé quand même un peu. Déformation des boîtes. Il y a trois boîtes ici. Et puis, vu qu'il y a certains modèles qui sont en manque, donc j'ai commandé certains modèles avec un autre fournisseur parce qu'ils n'ont pas complètement les modèles de la collection. Donc, ici, c'est un autre fournisseur. Donc, à chaque fois, je demande à bien protéger. Et pareil, avec des polystyrènes. Ici, ils ont protégé. Voilà. Là, ici, celui-là, c'est le premier carton, je crois. Et celui-là, c'est le deuxième venu, quelques jours plus tard. Il est complètement défoncé. Donc, j'ai pris quelques euros de moins cher. Sans boîte. Cela c'est avec des boîtes. Ainsi que celui-là. Celui-là, comme j'ai commandé beaucoup, ça commence à devenir cher. Donc je demande, j'ai pris l'option sans boîte d'origine. Comme ici, les boîtes d'origine de la maquette. Voilà. Sans boîte. Il y a 3-4 modèles par boîte de protection. Non, il y en a pas. Une en bas, plus une à côté, ça veut 3 et 4. Donc ici, pareil, sans boîte. Donc il y a 3 modèles. Ici. Ouais. Donc on va faire de la place et on va mettre ensemble chaque modèle. Boîte en polystyrène, scotché partout autour. Donc, c'est la collection One Piece. Avec les figurines, mini figurines. De plusieurs collections différentes. Il y a le bateau de Bartholomé. J'avais oublié. J'suis en train de chercher pour acheter, mais apparemment, il est dans le lot. Encore des mini figurines avec barbe blanche, Jim P. En fait, tous les Shishibukai. Dans la marine.
Ils ont très serré en mettant dedans tout ça. Donc j'espère qu'il n'y a pas de casse. Le bateau de Barbe Blanche. Comment ça s'appelle déjà? Dobby Dick, je sais pas, quelque chose comme ça. Navire de Gap, Marine. Mairie. Version. Ancien version. Bois. Imitation bois. Bois ancien. Bon. Apparemment, ils ont mis tout ça dans une boîte qui est assez serrée. Navire de la marine. Non, c'est Barbe Noire. Le radeau de Barbe Noire. Pourquoi cette partie est à l'extérieur? Il n'est pas dans la boîte. C'est bizarre. Action base. C'est quoi ça? Oh, ça a été ouvert. Chip collection. Il n'y a pas le nom le nom du radeau. C'est en japonais. Donc, on comprend pas. Donc, ça fait 10 cm de long. Tout en japonais. J'ai pas compris ça. J'ai pas essayé. C'est un supplément ou... C'est un chinois là. Japonais, ouais, japonais.
Donc ici c'est le voile. 3, 1, 2, 3. Jaune. Le filet. Pour le joli Roger. Okay. Ah, c'est la base sous forme de vague d'eau, le radeau, le manuel. Feuille très fine, format A5, ouais, un peu plus grand que le A4, A3, A5. Légèrement plus long que le A5. Plus petit que A4. Donc, il n'y a pas l'info sur cette partie. Qui ne fait pas partie, en fait, de la collection ici. Oui, c'est ça. Deux paquets. En fait, c'est tout simple. Donc, action barre. J'ai pas trop compris le truc. Je vais vérifier sur le site que j'ai acheté pour voir qu'est-ce que c'est ça. C'est ma mon option l'option que j'ai coché pour acheter ou c'est donner un cadeau. J'ai pas compris. Voilà.